Bonsoir à toutes et à tous. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabron Entreprise. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo de cette série de formations. Nous avons lancé une formation relative à la maîtrise du logiciel Excel, tableur Excel sous Windows. Alors nous allons nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le but d'avancer dans cette formation. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment lancer le logiciel tableur Excel. Donc, on va relancer ici dans cette vidéo pour qu'on puisse faire un rappel mémoire. Il suffit de venir au niveau de la zone de recherche ici, au niveau de notre barre de tâches. On clique une fois et on tape Excel. On tape Excel, voilà, ici Excel s'affiche, l'application s'affiche. On clique une fois là-dessus et on patiente l'ouverture d'Excel. Voilà. Excel est en train de s'ouvrir. Voilà, Excel est ouvert. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on avait ouvert Excel. Alors aujourd'hui, nous allons juste présenter l'interface d'Excel et nous allons nous retrouver dans la vidéo suivante pour entrer et commencer par travailler correctement avec le logiciel tableur. Alors ici, vous voyez, on a ici la barre de titre. En haut là où c'est écrit classeur 1, nous avons la barre de titre d'Excel. Ici, nous avons la barre d'outils d'accès rapide. Nous pouvons personnaliser notre barre d'outils d'accès rapide comme nous le voulons ici à ce niveau. On va le voir dans les autres vidéos. Toute cette zone où vous retrouvez accueil, insertion, mise en page, formulaire, tous les formules, tout ça, on appelle cette zone le ruban. D'accord, on peut dérouler le ruban comme on peut fermer le ruban. On déroule, on referme, on déroule le ruban en fonction des onglets. On peut dérouler et chaque fois qu'on ouvre un onglet au niveau du ruban, on a une panoplie d'options. Alors, le ruban ouvert ici, à ce niveau là, la grosse zone où vous voyez les carreaux est appelée zone de travail. Donc ici, ces petits carreaux, on va revenir là-dessus dans les autres vidéos. Ici, nous avons où vous voyez ici, où mon curseur se retrouve actuellement, est appelée la zone de nom. Donc à chaque fois qu'on pose un carreau, vous voyez ici la zone, au niveau de la zone de nom, on retrouve le nom de ce carreau. On va revenir là-dessus et vous donner le nom de ces petits carreaux dans les vidéos suivantes. Ici, nous avons la barre de formule. Voilà, c'est à ce niveau que nous allons écrire toutes nos formules qui vont se retrouver dans ces petits carreaux. D'accord? En bas ici, plus bas, nous avons ici les différentes feuilles. Retenez ceci, au niveau d'Excel, lorsque vous ouvrez au fait Microsoft Excel, vous venez d'ouvrir, vous ouvrez au fait un classeur. Et dans ce classeur est contenu plusieurs feuilles. Nous pouvons créer de nouvelles feuilles. Dans les versions antérieures à ma version et supérieures à ma version, excusez, ici on a un plus. Au lieu d'avoir une petite feuille comme ça avec du feu façon et à l'angle. À l'angle gauche, on a un plus. Donc, on clique là-dessus, ça nous permet de créer plusieurs feuilles. Donc, comme on l'a dit, ici, on a un classeur. Le nom du classeur est au niveau de la barre des titres ici. Et là, nous avons la possibilité de créer plusieurs feuilles dans ce même classeur. Nous pouvons créer une multitude de feuilles. Voilà, vous voyez là, je suis déjà à 9 feuilles. Nous pouvons supprimer ces feuilles. Il suffit de faire un clic droit, on vient sur supprimer. Clic droit, on vient sur supprimer. Nous pouvons dupliquer ces feuilles. On va le voir dans les prochaines vidéos. Donc voilà en gros de quoi est constituée au fait l'interface d'Excel. Ici la barre d'outils d'accès rapide. Ici la barre de titre. Ici on a le ruban qui est constitué de plusieurs onglets et dans chaque onglet on a une panoplie d'options qu'on va étudier tout au long de cette formation. Ici on a la zone de nom, ici la barre de formule, ici toute cette grosse zone là, on appelle ça quoi? La zone de travail. Et en bas ici nous avons nos différentes feuilles, nous pouvons naviguer entre ces feuilles. Alors nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo, nous nous retrouvons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour la présentation, pour la suite de cette formation. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches afin de leur permettre de profiter au mieux de ces formations que nous lançons. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez aussi le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches. Nous vous remercions d'avoir suivi. À la prochaine.